Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de Tada, je suis Tada et on se retrouve pour Lecturomania numéro 10, la série où je vous parle de mes lectures et maintenant de mes lectures médiathèques uniquement. Pourquoi ces lectures médiathèques? Tout simplement parce que les médiathèques, les bibliothèques, les boîtes à livres, etc. sont des endroits formidables pour découvrir des séries qui sont parfois introuvables dans le commerce, notamment une que j'ai là qui n'est plus trouvable. On remerciera tout à l'heure Kiyun, vous comprendrez pourquoi. Donc je trouve que c'est vraiment trop bien d'aller lire en médiathèque. Pour la plupart des gens qui habitent dans les grandes villes, il y a énormément de choix. On peut lire beaucoup de séries, on peut découvrir des auteurs, et il ne faut pas hésiter à être très curieux en médiathèque, prendre des titres qu'on ne connaît pas et repartir avec. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends des grands formats avec des noms d'auteurs que je connais pas, mais souvent quand c'est un grand format, c'est que c'est un auteur qui est assez connu au Japon ou qui a une influence, parce que sinon on ne ferait pas des grands formats pour un auteur tout naze. On va pouvoir parler de mes lectures, donc générique, et on est parti pour les lectures médiathèques. On va commencer avec les suites de séries, Lecturomania numéro 9. J'avais découvert une sacrée mamie, j'ai donc pris le tome 2 et 3 et j'ai continué à le lire. Alors, ce qui toujours sympa, toujours cool, une sacrée mamie. Ce tome 2 m'a paru un petit peu moins bien que le tome 1. En fait, le double effet qui se coule du tome 1, un petit peu reposant, etc., par rapport à la mamie, est un petit peu passé dans ce tome 2. Les histoires m'ont peut-être un peu moins touché. On est toujours dans ce Japon années 60, donc après-guerre, ils sont toujours. Donc l'occupation américaine est partie. J'ai vu, je sais plus c'était qui, je crois que c'était Patrologique qui en parlait, qui disait que c'était dans les années 30 ou un truc comme ça. Donc non, c'est dans les années 60. On est bien après-guerre, donc l'occupation américaine a un petit peu laissé le Japon dans une pauvreté. Donc il y a vraiment une scission de la population. Il y a des gens qui sont très riches et des gens qui sont très pauvres. Il n'y a pas vraiment de classe entre les deux. On va continuer à suivre donc cette mamie qui se débrouille comme elle peut dans cet environnement donc de pauvreté et ce gamin qui arrive avec elle et qui va découvrir un petit peu la vie tranquille. Par contre, le tome 3 m'a beaucoup beaucoup plu. Là, j'ai retrouvé un petit peu ce que j'aimais dans le tome 1 et dans ce genre de série. Mention particulière à l'histoire, on le voit là avec le petit chien. Et donc la suite de cette histoire, moi j'aime beaucoup quand ça traite des animaux de manière positive, hein, quand les animaux meurent, etc. Moi ça me fait vraiment chier. J'ai passé un bon moment devant ce tome 3, pour le coup beaucoup plus que devant ce tome 2, donc je pense que je vais me procurer la suite assez rapidement. Vous voyez que c'est encore les éditions où c'était Delcourt qui s'appelait Akata, voilà, à l'époque. Donc une sacrée mamie, moi je recommande toujours. Beaucoup de gens disent que c'est vraiment The Série. Pour le moment, je suis pas spécialement d'accord avec eux. Je trouve que je passe un excellent moment, mais de là à dire que c'est vraiment la série la plus touchante, etc. Moi, ce n'est pas vraiment pour le moment mon cas. Alors, ça le sera peut-être avec les tomes d'après. Nous verrons. On continue toujours avec les suites de séries. Donc, Entre les lignes, tome 2 et 3 de toujours Tomoko Yamashita, je crois. Oui, c'est ça. Donc j'avais dit de la merde dans Lecturomania numéro 1, en fait elles se connaissent parce que c'est sa tante, voilà. Donc la mère de cette personne, donc la sœur de cette personne est décédée, la tante va récupérer sa nièce et va vivre avec elle, et on va suivre du coup l'histoire de ces deux personnes. La tante, je l'aime bien, je l'aime beaucoup cette personne, parce que ce personnage, parce qu'elle est très froide mais sans l'être, c'est-à-dire qu'elle paraît froide au premier abord, elle paraît distante un petit peu avec tout le monde, et pourtant on se rend compte qu'elle marmonne beaucoup, qu'elle pense à beaucoup de choses de son côté, mais qu'elle laisse pas forcément les choses l'affecter pour pouvoir continuer à avancer, etc. Et à contrario, la plus jeune des deux, donc la nièce, elle se laisse un petit peu affecter par ses émotions, et j'aime beaucoup le rapport qu'il y a entre les deux. Ce tome 3 a été vraiment très bien. Je vais lire la suite, donc je crois que c'est fini en 6 tomes, il y a moyen que je prenne les 3 d'un coup pour terminer la série. Je découvre l'autrice, le tome 1 m'avait laissé un petit peu sur ma faim, le tome 2 je l'avais bien aimé, et comme sacrée mamie, du coup le tome 3 m'a conforté sur l'idée que ça va être une série qui pourrait me plaire. Alors c'est pas du tout un genre de série que je lis d'habitude, on est sur du josei je crois, dans la gamme Big Kana Life. Ça traite de sentiments, etc. Alors de sentiments pas amoureux, mais voilà, de comment gérer ses sentiments suite à la perte d'un proche, au deuil, etc. Et on est sur un style de dessin, je vous le montre depuis tout à l'heure, qui est plutôt assez sympa, qui change un petit peu des Josei Shoujo que j'avais lu avant, où d'habitude c'est plein de petites de découpages un petit peu flou, vous voyez, un petit peu. Il n'y a pas vraiment de cases, et en fait on va suivre un espèce de mouvement avec les petites poussières, les machins. Là, il n'y a pas ça, on se rapproche plus d'un traitement
je vais pas dire seinen ou shonen, mais c'est le découpage et la façon dont la lecture se fait ressemble plus à ce que moi je lis d'habitude qu'à ce que je n'apprécie pas spécialement dans certains genres, notamment le genre de la romance, etc. Donc j'ai bien aimé Entre les lignes. Voilà. Moi je vous conseille de vous faire votre propre avis et d'essayer de le trouver si vous pouvez. Ça peut vous plaire également. Toujours les suites de séries, ce sera la dernière là. J'ai donc terminé Sous un rayon de soleil de Tsukasa Hojo. Et voilà, pour la blague, ça s'appelle c'est dans la collection Les Trésors de Tsukasa Hojo. Donc il y a également La Mélodie de Jenny, Le Cadeau de l'Ange, Le Temps des Cerisiers et Rache. Et tous les trésors de Tsukasa Hojo sont désormais de vrais trésors car ils ne sont plus commercialisés par Kihoon depuis la récente annonce, donc je crois que c'est novembre. Ce qui est, si vous voulez mon avis et si je dois être cru, complètement con de la part de Kihoon parce qu'on a la réimpression de City Hunter, on risque d'avoir la réimpression de Katsai aussi. Alors je sais pas si c'est pas, je crois que c'est Pika, c'est pas Panini, mais en gros il y a de l'actualité sur Tsukasa Hojo, les gens vont s'intéresser à l'auteur et Kihoon. Comme Kakisaki décide d'arrêter de commercialiser les titres de Tsukasa Hojo qu'ils avaient. Donc on espère un rachat par un autre éditeur, auquel cas sinon ce sera bien fait avoir et donc ce sera une lecture 100% médiathèque. Voilà, ces tomes-là sont déjà introuvables, ils valent déjà un bon petit pécule en ligne, j'ai regardé, ce qui est très chiant. Voilà. Moi je continue à dire que cette année 2022, Kihoon m'aura énormément déçu sur les choix éditoriaux. Ils auront sorti beaucoup de nouvelles séries qui sont très bien, mais en fait ils ont annulé toutes les anciennes séries. Ils ont fait un petit peu une Tonkam, vous voyez, leur fond de catalogue est exceptionnel et ils commencent à le délaisser pour sortir des nouvelles séries, pour sortir des trucs dans la hype, adaptés à animés, des prix Taisho, etc. Et à délaisser un petit peu les anciennes séries, et je trouve ça dommage parce qu'ils ont vraiment des séries incroyables dans le fond de catalogue. Enfin maintenant, ils ne les ont plus vu qu'ils ont arrêté de les commercialiser. Enfin, Un rayon de soleil, c'était très bien, toujours une petite fable écologique. Des rapports aux sentiments, aux relations entre personnes. J'ai trouvé ça vraiment superbe. Moi, je crois que c'est mon, je l'avais dit, c'est mon premier Tsukasa Hojo. Quoique j'avais peut-être lu des Katsai, je sais plus. Mais c'est un de mes premiers Tsukasa Hojo, du moins que je lis voilà, d'un coup. En numérique, j'ai les City Hunter, donc faut que je les lise, faut que j'attaque City Hunter. Je trouve ça sublime. Le dessin, il est magnifique. Je trouve vraiment que le dessin est très très beau. Notamment les personnages féminins, je les trouve extrêmement charismatiques. Et j'ai trouvé que c'était une superbe histoire sur l'écologie, sur le rapport à l'autre, etc. Par le biais de la nature ou autre. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié cette histoire. Ça s'est lu relativement vite. Enfin, relativement vite. Ça s'est lu. Je vais pas dire que je l'ai dévoré, mais je l'ai lu assez vite. Et le personnage de Sarah, je l'ai beaucoup aimé. Voilà. Je pense que ça a peut-être pu inspirer les Neoten dans Je l'ai plus, ce shoujo de chez Akata en 8 tomes dont j'avais parlé dans Lecture Romania numéro 4 ou 5, je crois, nos temps contraires, voilà. Donc ça a peut-être inspiré un peu ça, notamment avec le personnage de Sarah. Donc je vous remontre une dernière planche, mais en tout cas, si vous pouvez vous le procurer en médiathèque, si vous trouvez un lot, ça peut toujours être cool pour les fans de Tsukasa Hojo et même pour ceux qui veulent découvrir sur une série qui est moins longue que 30 tomes. Enfin, en perfect, du coup, ça fera 16 ou 16, je pense. Donc un très bon investissement, je pense, sur la durée. Et voilà, toujours. J'ai l'impression que Kihoon, j'ai des coups de gueule dans chacune des vidéos, mais comme j'ai dit, bah malheureusement, je trouve qu'ils font des choix un petit peu douteux. Mais pour me contredire quand même, là par contre, c'est une nouvelle série. Il fallait que je les lise enfin, étant fan de science-fiction, ayant vu le film, ayant vu une des séries qui avait fait par France Télévisions, et ayant. Je crois que j'ai lu le livre aussi quand j'étais plus jeune. Donc j'ai vu beaucoup de support de cette œuvre qui est absolument culte dans la science-fiction. Donc hop, roulement de tambour, tac tac tac, pour ceux qui se demandent, et non c'était pas 1984, mais c'est... Ah oui, parce qu'il y a un manga 1984, et ça je vais l'acheter, je pense, à Angoulême, ça a l'air vraiment trop bien. Bref, c'est La Guerre des Mondes en manga, édition Kihoon, très belle édition pour le coup, alors là je suis pour Kihoon. Très belle édition, papier noir, etc. Agréable à lire. Je suis pas ultra fan des mangas. Alors lui, c'est un peu plus grand format. Je vais vous montrer avec un autre tome. Voilà, c'est légèrement plus grand format. Mais pour du format dur, parce que c'est du dur, je préfère que ça soit en très grand format, un petit peu en mode BD ou comics, mais pas en petit format comme ça, parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est pas très épais. Et du coup, à lire, là, je vais me tourner, c'est ultra galère pour tourner les pages. Vous voyez que... En fait, je peux pas plier le livre ici, donc il faut que je prenne les papiers
et que je fasse comme ça. Et du coup, à lire, c'est super handicapant pour cette main-là qui se retrouve un petit peu mise n'importe comment. Donc, voilà, alors c'est très joli, hein. Au contraire, je trouve que c'est une superbe édition, mais à lire, c'est un petit peu galère. Et en tout cas, très bonne adaptation de La Guerre des Mondes. On a la fin qui se rapproche du film. Dans le bouquin, je crois que c'était un petit peu plus ouvert la fin. C'est un peu moins trash. Alors ça reste trash, mais pour le coup je trouve que le film, la série ou même le livre de base sont beaucoup plus trash. Notamment au moment où les extraterrestres font des trucs sur les humains. Je me rappelle que c'était un peu voilà, un petit peu violent dans mes souvenirs. Et là c'est un petit peu plus édulcoré. Alors je pense que c'est pour essayer de faire découvrir H.G. Wells et du coup La Guerre des Mondes qui est culte à un public plus jeune. Parce que pour le coup, c'est pas extrait. Voilà. Je sais pas si je vous spoil. Alors, je vais pas vous montrer les illustrations des tomes 2 et 3 parce que ça va vous spoiler si vous connaissez pas La Guerre des Mondes. Je continue à vous montrer l'illustration du début. Donc, on va suivre l'histoire d'un photographe qui va voir une météorite, pour ceux qui connaissent pas le pitch, hein, tomber non loin de son village. Ils vont aller voir et ils se rendent compte que c'est pas une météorite et que c'est une espèce d'objet venant. Ils savent pas ce que c'est, et dans cet objet, alors du moins dans le manga, il y a une créature qui sort et qui va cracher des giga rayons qui crament absolument tout, mais quand je dis qui crament, c'est annihilation, c'est-à-dire que tu te prends le rayon un petit peu en mode Dalek dans Doctor Who, tu disparais, extermination, voilà. Dans le film, c'est un rayon qui fait la même chose mais qui laisse les vêtements, donc il crame que les particules vivantes en fait, enfin les voilà, donc les humains. Et dans le livre, je crois que ça se rapproche plutôt de ce truc-là. Dans le film, ils sortent de terre directement les tripodes, ce qui n'était pas le cas ici. Bref, je ne vais pas trop vous spoiler non plus. Enfin, il y a quand même des différences et je trouve qu'il y a un intérêt à avoir vu plusieurs supports de La Guerre des Mondes. En tout cas, c'est une super lecture, très belle édition, en plus je crois qu'elle est pas très très chère pour le coup. Là, pour le coup, Kiyun fait du bon taf sur celle-ci. Je vous conseille de vous la procurer et notamment, je pense, de vous l'acheter parce que je pense pas que ça se vende énormément. Comme c'est une édition en dur, ils vont pas les réimprimer, comme les Aria. Alors les Aria, c'est pas en dur, mais du coup, Kiyun, je crois, avait dit qu'il comptait pas trop réimprimer Aria. Je crois qu'actuellement, Aria commence à devenir assez rare. Et donc ça va être, je pense, la même chose pour La Guerre des Mondes, donc ne tardez pas trop parce que c'est une bonne adaptation. Et pour le coup, on passe un très bon moment. En plus, les couvertures sont cool. Et je sais pas si on voit, mais il y a un petit peu un effet de... Alors, ça se sent pas au doigt. Ou alors, la médiathèque avec le film plastique, je le sens pas. Mais il y a un effet un petit peu de bouquin à l'ancienne. Donc, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, tout ce qui est science-fiction, ce qui est culte... Malheureusement, je suis un peu client. C'est un petit peu ma cam. Donc, voilà. La Guerre des Mondes, c'était une très bonne lecture. Pour le coup, et je la recommande à beaucoup, même ceux, enfin plutôt que lire le roman. Et on va terminer avec un tout petit truc, encore science-fiction, mais là c'est pas du manga, j'ai lu un roman donc de Ted Chiang, La Tour de Babylone. Juste pour anecdote, c'est un recueil d'histoires courtes, et il y a une des histoires qui a été écrite en 92, je crois, qui est littéralement le film Premier Contact de Denis Villeneuve. C'est exactement le film, donc en fait, moi j'avais vu Premier Contact il y a pas longtemps, j'étais en mode, oh il est trop fort Villeneuve d'avoir pensé à ça, il a pensé à rien du tout, en fait, tout était là-dedans, donc c'est un auteur, je vais vous montrer les dessins, voilà, vous avez des super dessins, alors des illustrations, pour les plus jeunes, ça s'appelle un roman, c'est des mangas mais sans images, voilà, c'est que du texte. Bon, moi je vous le conseille pas, à part si vous êtes vraiment, vraiment habitué à la SF, ça fait mal au crâne, il y a beaucoup de trucs scientifiques. Voilà, c'était la petite lecture roman en plus. Donc les lectures romanas de la semaine sont terminées, j'espère que vous avez apprécié, donc beaucoup de suites de séries. La prochaine lecture romana, il y aura moins de suites de séries, je vais essayer de commencer des nouvelles séries, alors il y aura sûrement entre les lignes, hein, peut-être une sacrée mamie, mais peut-être un tome. Je vais essayer de commencer des nouvelles séries. Conseillez-moi des noms, ma médiathèque a beaucoup de choses, donc j'essaierai de voir si je peux les lire, découvrir des choses que vous m'aurez conseillé, donc conseillez-moi des noms, si possible d'auteurs assez, je veux dire anciens, mais entre 90 et 2005, ils ont beaucoup de choses de cette période-là, ma médiathèque, donc des trucs qui maintenant sont plutôt cultes, plutôt introuvables, plutôt que des choses récentes, ils en ont un peu moins. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un like comme d'hab. Il y a le Patreon si vous voulez me soutenir. Pour ceux qui veulent également, il y a le code Rakuten, etc. Il y en a certains qui ont utilisé le code, donc merci à vous. Vous avez 10 € de réduction à partir de 20 € d'achat, et moi j'ai 10 € également, ce qui me permet de financer certaines choses.
enfin certaines choses, des mangas du coup, comme vous. Merci à tous d'être encore plus nombreux, abonnez-vous, et moi je vous dis à la prochaine, c'était Sada, et ciao!